Hey, mademoiselle, t'es charmante. Je veux pas une glace à la menthe. Alors eux là-bas, c'est une bande de relous. Plus sexiste, y a pas. Et malheureusement, je les connais. Tout d'abord, il y a Enzo. Il fait genre, j'ai des muscles, mais il passe son temps à mater des meufs à la muscu. Lui, c'est Momo. Il écoute du Jul et d'ailleurs, il a le même avenir que ses musiques, aucun. Et la cerise sur le gâteau, c'est lui, Henri. La seule personne qu'il arrive à aimer dans la vie, c'est lui-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est mon ex. Je me présente, je m'appelle Henri. Je suis beau, j'aime que moi dans la vie être aimé. Je suis beau, j'ai beaucoup d'argent, même si c'est celui de ma maman. Tu disais ? Je t'emmène au grec ? Bah ouais, ok. Face au relou, il y a plusieurs possibilités. Option 1, les ignorer. Hé hey, mademoiselle, t'es charmante! Tu prends une glace à la menthe! Viens là! Vas-y! Viens, viens-toi! Femelle, femelle! Reviens! Femelle, reviens! Hé, stop! Hein? Post-clope? Ah ouais, post-clope! Eh, pas con! Bonne idée! Il y a aussi l'option 2, la colère. Ah, désolé chérie, mais ma coiffure demande un petit moment d'attention. Tu n'aurais pas un peigne ? Oh non. Je reviens. Hé, hey, nana, position. Sinon, il y a également l'option 3, l'arrivée du super-héros. Super. J'ai remarqué que vous avez quelques problèmes d'ordre cornélien à surmonter. J'estime que cela requiert une assistance morale et physique. Puis-je ? Disculpez-vous de cette faute commise, maintenant. Vous avez entendu quelque chose, les gars ? Ouais, le vent. Ouais, un petit vent frais. Ça vous dit de vous réchauffer un peu ? Allez. Je n'ai pas le temps pour ces activités puériles. Tu m'inquiètes, gros ? Et enfin, il y a la meilleure solution. Elle, c'est Steph. Malgré le fait qu'elle n'a que 16 ans, elle ne croit déjà plus à l'amour. C'est un peu à cause de Momo. Ne vous fiez pas à sa casquette. Cette meuf-là, c'est une vraie Madeleine. Elle, c'est Ashley. Aussi motivante qu'un rythme de reggae, elle est aussi douce que l'odeur de la Rafflesia. Mesdames et messieurs, nous allons commencer les hostilités. D'un côté, nous avons la team raquette. Et la team... On se souvient pas du nom des perdants. Au lieu de t'occuper de l'intérieur de ton pantalon, fais un truc pour être moins con. Tu devrais prendre un smecta parce que tu t'es cul de la merde. Arrête de faire le donjon et retourne chez elle dans les jupes de ta maman. Lève le doigt avant de t'adresser à moi. Quand j'ai vu ta gueule, j'ai pris mon cul pour une star. Tu parles de celui que t'as pas ? Mêle-toi de tes fesses, vu la superficie, ça devrait te prendre un moment. Je vais tellement t'ignorer que j'ai oublié ton existence. Tu m'arrives pas à la cheville, mais si un jour tu y arrives, sois gentil et fais mon lacet. Vas-y toi, quand je t'ai largué, on compte en moi qui a respiré. Stop ! Il me semble qu'on a fait le tour, non ? Du sport, je claquais. Respect quand même les filles, bonne punchline. Reste pas à vous aussi. Alors, parité homme-femme ? Ok. Ok.
Allez, salut. Salut les filles. Salut. 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 Attendez, j'ai une super boutade à vous raconter. Tais-toi, Nathan. Reviens quand tu seras un personnage principal. Je vais pas raconter ma boutade.